Samedi 8 octobre, 15h16. Qui est pas cette fois? C'est toi, Thomas? T'es l'un des nouveaux, non? Ouais. Moi, elle me fascine. C'est juste une vieille dame qui part toute seule, non? Et puis, je sais pas, même pour elle, faudrait peut-être appeler quelqu'un. Crois-moi, elle partira jamais d'ici. Pour quelle raison? Partirais, toi, si tu possédais ce château. Quoi, c'est Madame Stein? C'est elle, la propriétaire? C'est bien elle. J'ai entendu dire que ça te plairait de travailler si longtemps. C'est vrai? Enfin, si je me fais pas virer d'ici là, j'ai entendu dire que la manageuse était très spéciale. J'aime bien être ici. Et toi? J'imagine que c'était le job de tes rêves. Je déteste ce travail. Pourquoi tu restes? Pour elle. Je comprends pas. Écoute, de toute façon, j'ai plus le temps. Je sais vraiment pas pourquoi je vais te faire confiance. Mais si je te dis ce qui rend cette vieille dame si spéciale, tu pourras me rendre un service. Et en échange, je te promets que tu resteras ici longtemps. C'est toi la manageuse. Non? Ok. Vas-y, dis-moi. Moi aussi, au début, je la voyais tout le temps parler seule. Je comprenais pas pourquoi elle sortait jamais du château. J'avais l'impression qu'elle pouvait pas. Et puis... il y a quelque temps, j'ai commencé à la regarder de plus près. Je l'ai observée. Et maintenant, je sais pourquoi elle parle toute seule. Enfin, du moins, j'ai une théorie. Et je suis en train de la tester. Une théorie? Ok. Qu'est-ce qu'elle dit, ta théorie? Eh bien, vois-tu, cette dame n'est pas juste une folle qui parle toute seule. Quoi? Elle voit des fantômes? Elle vit dans un autre temps. Non. Je te suis plus. Le mieux, c'est que je te montre. Et quand je t'aurai prouvé que c'est réel, je te demande pas d'accepter ni de comprendre. Juste d'essayer. Et après, oui, tu me rendras un service. T'as bien dit que t'aimais ce travail. Suis-moi, ça va bientôt être l'heure. Je travaille avec un physicien. On mène tout un tas de tests avec elle. Ça a commencé avec des rendez-vous à des endroits précis, des discussions qui duraient des semaines, et même des parties d'échecs. D'après ce que je sais, elle perçoit le monde comme il était il y a 3 jours. À quelques minutes près. T'es sûr qu'on a le droit d'entrer? Ok. Je peux vraiment te faire confiance? Ouais, mais je sais pas si... Une fois passé cette porte, tu restes à distance derrière moi. Et surtout, tu touches à rien. Si jamais quelque chose bouge, ça peut avoir de grandes conséquences. Tu m'as bien comprise? Bienvenue dans le monde des fantômes.
J'ai dit, tu touches à rien. Viens. Madame Stein, c'est Madly. Je vous ai apporté des fleurs. Tout va bien. On s'occupe de vos jardins, de la cour et de vos animaux. On a même réparé la fontaine. Votre château est toujours magnifique, faut pas vous inquiéter. Je suis venue vous dire que dans 3 jours, moi, je pourrais pas être là. Mais j'ai un collègue, un nouveau collègue, qui sera là pour vous écouter. Je pense toujours à vous. Je serai toujours là pour vous. Au revoir, Madame Stein. Et je fais quoi maintenant? 15h30. Dans 3 jours, tu reviens ici à la même heure et t'attends. D'ici là, pas un mois. Tu viens? On a encore du boulot. J'arrive. Comment vas-tu? Je vais venir les voir.
Prenez soin de ma maison. C'est important pour moi. Mais tu vas revenir. Ah, tu as un nouveau collègue. C'est le garçon à la porte. Il est beau garçon. S'il est là, il va m'entendre. Il va penser... Enfin... Si vous êtes là, monsieur, vous devez me trouver dingue. Je suis désolée. Écoutez, madame, je ne sais pas quoi faire. Je vais revenir avec Madeleine. Ça ira mieux. Tu t'en vas déjà? Promis, dans 3 jours. Je reviens avec Madeleine. J'espère vraiment pas que c'est une blague. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Ok. Je veux tout savoir. Est-ce qu'il y a que moi qui est au courant? Non, personne d'autre le sait. Il faut vraiment que ça reste secret. Ok. Je te jure, j'avais l'impression d'être invisible. Je sais pas comment elle fait pour vivre avec ça. J'essaie de comprendre. Puis il y a une semaine, on se connaissait même pas. Pourquoi tu me l'as dit? On a tous un temps différent, non? Ouais. Et? Le mien va s'arrêter d'ici quelques temps. Je le sens. Tu saisis l'urgence. Quoi? T'as pas des amis? De la famille? J'aurais bien aimé, mais... Non. T'attends quoi de moi? Que tu continues ce que j'ai commencé. Attends, moi je connais rien de tout ça, hein. La physique, tous ces trucs. Puis elle m'a parlé d'un... Cotton. Le physicien. C'est lui. Il te contactera. C'est le seul qui a voulu me croire. Mais faut que tu fasses attention à lui. Tout ce qu'il voit là-dedans, c'est la science, pas l'humain. Ça, c'était mon job. J'étais une sorte de gardienne. Je suis désolée de te mettre dans cette position, mais... Il faut que tu m'aides. Je sais pas. Je peux pas te dire. Tu sais, je me suis fait la promesse de venir travailler jusqu'à la fin. Et ce que j'arrête pas de me dire, c'est que quand je serai partie, elle aura en quelque sorte 3 jours de plus avec moi. Je sais pas quoi te dire. Ne dis rien. Reste discret et veille sur elle. Je sais pas, Madeleine. Je sais pas si je suis à la hauteur. Faut que je te laisse. On me regarde bizarrement. J'ai pas envie qu'on pose de questions.
On dirait bien que c'est toi le fou maintenant. Ouais. Jeune homme! Jeune homme! Madly vous a dit quand elle allait revenir? Jeune homme? Je suis désolé, madame, je comprends pas.